Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, on va voir trois autres erreurs graves en dropshipping. Trois autres erreurs graves en dropshipping. Pourquoi le autre? Parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui explique et qui montre des erreurs que j'ai vues chez mes clients et qui sont graves parce qu'en fait, elles peuvent complètement nuire à votre business. Donc, je vous mets un lien juste en haut si vous voulez consulter cette autre vidéo. En tout cas, voici les trois autres erreurs graves que j'ai trouvées en dropshipping dans les boutiques de mes clients. La première, c'est simplement trop de prix barrés. Il y a plein de personnes qui pensent qu'avoir plein de prix barrés sur la boutique, ça va aider à la vente. Alors, pas du tout. Au contraire, si vous avez trop de prix barrés, ça ne va pas du tout être sérieux. C'est comme si vous alliez sur Amazon et que toute l'année, vous aviez des grosses promotions tout le temps. C'est pas possible. S'il y a des grosses promotions tout le temps, c'est que généralement, le produit est mauvais et qu'on cherche à s'en débarrasser, qu'il y a un déstockage ou quoi que ce soit d'autre. Donc, en réalité, quand vous avez une boutique, des prix barrés, vous en mettez sur un ou deux produits, par exemple, dans le mois, et ça s'arrête là. Vous n'allez pas mettre toute une collection entière de prix barrés, c'est injustifié. Bien sûr, s'il y a des soldes ou quoi que ce soit, vous pouvez le justifier, et là, il n'y a pas de souci. Mais tout au long de l'année, mettre des prix barrés partout, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, on en vient au deuxième point, qui est simplement les promotions non justifiées. Quand vous faites des promotions, que vous offrez même des codes promo, par exemple 20%, 30%, 10%, peu importe ce que vous offrez, vous devez justifier, vous devez avoir un motif. C'est beaucoup plus crédible et donc du coup, les internautes derrière se sentent rassurés parce qu'ils vont se dire « Ah oui, d'accord, c'est moins cher parce que, par exemple, la boutique fête, c'est un an d'anniversaire » ou « C'est moins cher parce que c'est les soldes d'été » ou « C'est moins cher parce que c'est le Black Friday ». Si c'est justifié, l'internaute ne va pas se poser plein de questions, il va se dire « c'est normal ». Tout simplement, et puis c'est une belle occasion, je vais en profiter. Et ensuite, la troisième erreur grave que j'ai vue sur les boutiques de mes clients, c'est l'incohérence totale des codes promo. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, des codes promo, en fait, on en donne tout le temps. Dans les mails, dans les pop-exit. Donc les pop-exit, vous savez, c'est quand l'internaute quitte votre site, on lui affiche une pop-up, une fenêtre avec un code promo pour le retenir un petit peu plus et le faire acheter. Donc les pop-exit, les pages produits, et par exemple, vous avez aussi des codes promo que vous donnez à travers des campagnes Facebook, par exemple, et bien d'autres moyens de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vendez, quand vous donnez des codes promo, il doit avoir une cohérence. Vous ne pouvez pas donner, par exemple, même dans les newsletters, hein, vous pouvez donner des codes promo dans les newsletters, ça marche vraiment super bien. Mais par exemple, à vos clients privilégiés que vous donnez, qui sont inscrits à votre newsletter ou à vos acheteurs, vous ne pouvez pas donner un code promo inférieur au code promo que vous proposez par exemple sur vos campagnes publicitaires Facebook ou sur votre site, dans la bannière tout en haut, vous offrez un code promo pour les nouveaux visiteurs. Voilà, tout ça doit être cohérent. Donc par ordre d'importance, on va dire que vous avez le code promo, vous allez offrir par exemple, vous allez offrir 5-10% à tous les nouveaux visiteurs de votre site, d'accord? Vous allez offrir ensuite un code promo un peu plus élevé à ceux qui laissent leur adresse email sur une pop-exit. Donc, par exemple, via l'application abandonment protector que j'utilise. Donc, je vous mets aussi un lien d'un tutoriel de cette application juste ici. Vous avez le i qui s'affiche là. Vous cliquez dessus et vous avez accès au tutoriel. Ensuite, vous allez offrir un code promo plus important pour les personnes de votre newsletter, tout simplement, qui ne sont pas clientes. Pour les personnes qui sont clientes, qui sont dans votre newsletter et qui sont clientes, qui ont déjà acheté chez vous, vous allez offrir un code promo qui est un peu plus important. S'il y a des soldes, par exemple, le Black Friday, vous allez offrir une plus grosse promotion. Et si bien sûr vous avez des clients qui ont déjà dépensé, je dis n'importe quoi, plusieurs centaines d'euros dans votre boutique, eux, vous allez leur offrir le summum parce que vous estimez qu'ils sont vraiment plus importants que n'importe qui d'autre, et que peu importe la période à laquelle vous vous trouvez dans l'année, ces clients-là doivent être chouchoutés. Idem, si vous passez par des influenceurs pour proposer vos produits, pour les mettre en avant, attention, les influenceurs, j'ai vu, il y a un de mes clients qui a donné un code promo à un influenceur pour qu'il relaye l'information et le produit, sauf que le code promo donné par l'influenceur était moins important que le code promo qui donnait gratos sur son site internet. C'est-à-dire quand on allait sur son site, sur le bandeau tout en haut, vous aviez moins 20% avec le code machin. Et bien ce code promo, il était plus intéressant que le code de l'influenceur. bah, du coup, l'influenceur, c'était pas crédible. Et du coup, il pouvait même pas tracer ses ventes en provenance de l'influenceur. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, les personnes qui avaient le code promo de l'influenceur, elles arrivaient sur le site, elles trouvaient un autre code promo plus intéressant, et du coup, elles utilisaient le code promo du site. Et du coup, on ne pouvait plus tracer les ventes en provenance de l'influenceur. Donc voilà, donc à ce client-là, bah, de toute façon, quand je lui ai dit ça, il m'a dit oui, c'est pas bête. Bon, en effet, c'est pas bête, mais si vous faites ce genre d'erreur, ça peut poser vraiment pas mal de problèmes. Le pire, c'est si vous proposez un code promo plus important sur votre site que celui que vous envoyez par exemple dans les newsletters. Ça, pareil, les clients, ils vont se désabonner, ils vont dire « Ok, j'ai aucun avantage à m'inscrire à la newsletter. » Donc voilà, c'est les trois autres erreurs graves que j'ai trouvées pour du dropshipping. Alors ça marche en réalité pour toutes les boutiques Shopify, que vous faites du dropshipping, de l'impression à la demande, peu importe le e-commerce, ce sont des erreurs qui sont souvent commises. Et donc je préférais voilà, tourner une vidéo pour vous montrer les erreurs à éviter, les trois autres erreurs à éviter. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez une formation Shopify gratuite dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, vous cliquez sur le lien. Je vous explique comment créer votre boutique Shopify de A à Z très rapidement et très simplement. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!